Pour un jeune, aller à l'école est à la fois plaisant et parfois pas génial du tout. Raison pour laquelle les parents ont le devoir de préparer le mental de leur enfant pour réussir dans ce monde qui n'est pas toujours un fleuve tranquille. En effet, des études ont montré que les parents qui préparent le mental de leur enfant avant la rentrée académique obtiennent de meilleurs résultats comparés à ceux qui ne s'en préoccupent pas. La préparation mentale peut passer par le partage d'expériences quand les parents expliquent leur vécu à leur enfant. Cette préparation peut également passer par l'explication des attentes des parents vis-à-vis de leur protégé. C'est dans ce sens que j'ai préparé quelques conseils à rappeler pour aider vos enfants à devenir plus responsables. Cette vidéo répond aussi à une demande reçue par mail. Voici donc les 12 choses à savoir pour bien préparer le mental de réussite à l'école pour vos protégés. Première chose à savoir, ta force mentale et ta santé physique sont plus importantes que tes leçons de classe. Si tu te sens submergé par un mal-être, n'hésite pas à nous en parler à la maison. Deuxième chose, ne te compare jamais à tes camarades, ne te compare pas aux autres. Tu vas à l'école pour acquérir des connaissances, pas pour courir après les bonnes notes. Troisième chose à savoir, tu dois comprendre le fond des sujets. Les notes ne sont pas si importantes que ça. Si tu obtiens une mauvaise note, nous ne te punirons pas, mais sache que avoir une bonne note nous fera quand même plaisir. Conseil numéro 4. Si tu te bloques sur quelque chose qui te semble difficile, demande de l'aide auprès de ton professeur ou à moi quand tu es à la maison. Sinon, tu peux décider de travailler sur d'autres parties de tes cours que tu aimes le plus. Point numéro 5. Si tu te sens nerveux avant les examens, sache que cela est normal. Mais rappelle-toi que l'école ne représentera pas toute ta vie. Ce n'est qu'une petite partie de ta vie. Alors ne te laisse pas abattre par tes examens. Conseil numéro 6. Un enseignant est aussi un être humain qui peut tomber malade, se fatiguer ou faire des erreurs. Souviens-toi de cela et respecte ton professeur et ce qu'il fait pour toi. Conseil numéro 7. N'aie pas peur des intimidations. L'intimidation, c'est quand certaines personnes blessent d'autres personnes plus faibles qu'elles. Si quelqu'un t'intimide en classe ou bien intimide un autre enfant, dis-le-moi et je verrai comment je peux t'aider. Conseil numéro 8. Si tu enfreins les règles, ton professeur peut te punir. Mais personne n'a le droit de te rabaisser ou de te blesser et de se moquer de toi. Si cela arrive, viens m'en parler. Conseil numéro 9. Apprends à communiquer avec les gens. Mais si un camarade de classe te fait du mal, essaie de résoudre ce problème par toi-même. Si cela ne fonctionne pas, demande conseil à ton professeur ou à moi afin de trouver une solution. Conseil numéro 10. Apprends à réfléchir sur les sujets très importants et concentre tes efforts pour réussir. Conseil numéro 11. Sois discipliné. Des règles sont créées pour faciliter la vie en société. Fais tes devoirs, écoute ton professeur et révise tes anciens cours avant d'aller en classe le lendemain. Sinon, ça sert à rien d'accumuler des pages et des pages. Conseil numéro 12. Tu peux acquérir des connaissances
dans d'autres lieux à part l'école, par exemple à la maison. Donc si tu veux en savoir plus sur quelque chose, fais-le nous savoir et nous t'aiderons à trouver les réponses. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ces conseils ont été utiles pour toi, n'hésite pas à me les mentionner dans les commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.